L'ice cross, c'est une compétition de descente de l'extrême en patin à glace. C'est un peu similaire au ski cross. Seulement, bah, on a un équipement d'hockey un peu amélioré et puis on essaie d'arriver premier en bas, les deux premiers passent et puis les deux derniers sont éliminés. Puis on passe comme ça du 16e de finale jusqu'à la finale. C'est vraiment par hasard. En septembre 2015, j'ai rencontré le Valaisan Derek Wedge qui était champion du monde de ice cross en 2013 et qui m'a vraiment vanté ce sport. Et à ce moment-là, je ne participais plus à aucune compétition de patinage, puis je recherchais un petit peu une nouvelle voie et il s'est avéré que c'était vraiment par hasard que je suis atterrie dans ce sport et que ça m'a plu. Oh, alors c'est très très différent en patinage, j'avais vraiment un programme de suivi par un entraîneur, par plusieurs entraîneurs même. Je m'entraînais deux fois par jour, six fois par semaine en tout cas. Et maintenant, je suis livrée à moi-même pour planifier mes entraînements. Ça me plaît vraiment cette liberté, mais c'est plus difficile. Ça demande beaucoup plus de rigueur. Et après, c'est très différent aussi dans le sens où avant, en patinage, je devais tout le temps perdre du poids vu que je faisais du couple, je devais être légère. Et c'est tout ce qui comptait en gros pour mon entraîneur et mon partenaire. Donc, c'était très difficile à vivre le quotidien. Mais maintenant, c'est plutôt le contraire. Je dois plutôt prendre du poids, ce qui est plutôt facile pour une fille. Et ouais, j'aime beaucoup le fait d'être livrée à moi-même et pouvoir m'entraîner un peu comme je veux. Alors, mentalement, je vais devoir être encore meilleure que l'année passée. Ensuite, physiquement, je pense l'être. Donc, plus qu'espérer que les autres n'ont pas progressé autant que moi. Alors non, pas du tout, la réponse elle est assez claire. C'est un sport qui coûte quand même relativement cher en déplacement, notamment en déplacement en logement. Et puis, à part nos sponsors qui nous aident un peu à financer la saison, on ne touche pas grand-chose, donc c'est vraiment difficile.